Bonjour tout le monde, c'est Miros et je vous retrouve aujourd'hui depuis ma villa, dans laquelle je vais acheter le dernier objet pour ma collection grâce à tout mon argent que j'ai accumulé en requêtant des petits vieux. Merci d'avoir attendu, votre commande a été livrée. Voilà, donc yo tout le monde, c'est Miros et aujourd'hui on se retrouve pour... sûrement l'épisode final de Pokémon version platine. Donc on vient de compléter la villa et ça ne fait strictement rien. On a le monsieur Sorbier qui se balade dans notre maison. Voilà, et c'est tout. Ah, il y a une boîte musicale aussi, je l'avais pas vue. Voilà. Hop. Donc là normalement on a tout. Mais où est la boîte musicale? Elle est là. À quoi ça sert? Ok, ça reset la musique. Ça ne sert à rien. Y a pas d'autres objets cachés quand même? Non, hein, c'est bon, on a complété la villa, c'est cool. Donc si on sort et qu'on re-rentre, est-ce que ça fait quelque chose? Non. Flex, tout va bien. Ok, donc on a un gros vide sur la gauche, je sais pas pourquoi, et tout est à droite. On a le prof Sorbier qui squatte près de notre lit, personnellement j'irai pas me coucher. Et donc yo tout le monde, c'est Miros, et aujourd'hui on se retrouve pour ce qui sera sûrement l'épisode final de Pokémon version platine. Je crois que je viens de le dire en fait. Je croyais ne pas l'avoir dit, mais il me semble que si. Je deviens fou, c'est pas grave. Et aujourd'hui, on va casser la gueule à Dieu et le foutre dans une petite bouboule. Et on va lui montrer qu'il est un faible, en essayant de le choper dans une faiblobol. Alors, c'est pas gagné, mais c'est possible. Du coup, ce qu'on va faire pour déclencher l'event, c'est qu'on va aller, comme d'habitude, dans la liste de cheats pour lancer la flûte azurée. Voilà, c'est celle qui était sélectionnée. On va appuyer sur DF pour LR. Et le monsieur, il est là. Bonjour, monsieur. On a gagné la flûte azur. Alors, je pensais que c'était flûte azurée, puisque ça indiquait flûte azurée, mais non, c'est flûte azur. Alors, on va tout de suite désactiver le code, parce que ça sert à rien de le garder. Je vais vous le montrer au cas où je ne l'aurais pas déjà montré, voilà. Faites-en ce que vous voulez. La lettre chaîne de la dernière fois, je ne sais pas si je l'ai montré, donc je la remontre. Et donc, tout le reste, je vous l'avais déjà montré dans un précédent épisode. Du coup, on peut y aller, on peut enchaîner. Donc vous voyez qu'Aria est au niveau 100, c'est parce qu'à force de casser la gueule à des petits vieux, son XP a bien augmenté. Voyons voir vite fait ses petites statistiques. Voilà, Aria, elle est violente, hein. Et c'est cool, j'ai cassé la gueule une fois à la ligue, mais je me suis rendu compte que niveau le ratio temps et gain... au niveau de l'argent était clairement pas suffisant, mais ça m'a fait un petit peu d'XP. Du coup, la flûte azur, que devons-nous en faire? Flûte azur, flûte produisant des sons qui semblent provenir d'un autre monde. On ne sait pas qui l'a fabriqué. C'est ce moment là où je me rends compte que j'aurais peut-être dû me renseigner sur l'event avant de commencer l'épisode. Monsieur, enfin. A chaque fois qu'on passe par ici, j'ai l'impression qu'on se fait agresser. Ah là là. Hop. Je réponds vite fait un SMS, désolé. Donc on va casser la gueule de ce vilain monsieur. Hop. On va skipper ça parce qu'on s'en fout. Hein. Voilà, des petits niveaux 20. Ça nous sert pas à grand chose. Merci pour les 1280. Je vais pouvoir m'acheter une hyperbole avec ça. Alors, normalement, il me semble qu'on doit aller en haut du mont couronné. Sauf qu'on a déjà fait la route deux, voire trois fois. Non, deux fois. Donc, je vais vous épargner ça. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, nous sommes donc à nouveau au sommet du mont couronné. Aux colonnes lance. Et la flûte azur appartenant à Aurore émet un son. Voulez-vous souffler dans la flûte azur? Oui.
Un escalier de lumière apparaît. Oh mon dieu! Alors, on va mettre Chapicon en premier. Et on va grimper cet escalier de lumière. Escalier de lumière. On va sauvegarder, voilà, comme d'habitude. Arceus! Voilà, bon, je vais peut-être commencer à parler, hein, parce que je vous laissais écouter la musique et profiter du combat contre Dieu lui-même. Donc, nous sommes contre Arceus, le dieu du monde de Pokémon, et mon plan de le capturer à la faible au vol, je le laisse un peu de côté, hein, parce que ça va pas être possible. Je pense que déjà, si on arrive à le choper à la hyperbole, c'est pas mal. Bon, je vais réaccélérer. Donc, Skid se prend l'attaque préscience et on va commencer les save state contre Arceus. Ah, presque. Je vais tenter d'autres balls quand même sur ce shot puisque ça m'a l'air d'être possible. Ah, dommage. J'aimerais bien le capturer à la Pokéball aussi, ça serait sympa. C'est marrant, ça fait toujours deux. Puis il sort. C'est étrange ça. Ça tombe, le type de bol n'a aucune influence. Ouais, ça a l'air, hein. Ça a l'air. Parce qu'elles font toutes la même chose. Deux tilts et puis elles s'arrêtent. Une, deux, hop, ça sort. C'est marrant ça. Je pense qu'on découvre des choses là, les gens. On découvre des choses. Ouais, deux et puis ça sort. C'est marrant ça.
D'accord, si tu veux. Mais qui balance un ultra laser, tout va bien. Alors on va remettre Chapicon. En espérant ne pas se faire défoncer. Ah bah non, c'est vrai qu'il doit se... Ah non ! Oh le casse-couille ! Il va se refoutre la moitié de ses PV. Tiens, dors. Allez, je te fauche. Ah oui, merde, il a perdu ses dents slam du coup. Ah le con ! Ah non, oh, fais pas ta pute, mec. T'es un salaud ! Salaud ! Enfoiré de communiste ! Tiens ! Vas-y, je m'en fous. Pas tant que ça, en fait. Tiens, vas-y, dors. Voilà. Moi, je vais me foutre une hyper potion. Hop, hyper potion sur Chapicon. Il fait mal, hein. On voit que c'est un dieu, quand même. Je crois d'ailleurs qu'Arceus est le Pokémon qui a les statistiques les plus élevées du jeu. On va tenter la Faiblo. Non, bah non, la Faiblo, elle veut pas. Hein. La Faiblo ne voudra probablement jamais. Alors l'hyper ne veut pas non plus. Qu'est-ce que je fais, moi? Peut-être une chrono, non? Non, ça sort direct encore. Hein. Du coup, on va balancer une Pokéball. Pour attendre le prochain tour. Hop. On va lancer une hyperbole. Non, ça veut pas non plus. Peut-être une sombre ball. Non. Toi, tu te rendors, s'il te plaît. Merci. Ball, on va renvoyer une hyper. Alors, Dieu, il a vraiment pas envie de se laisser capturer. Je pense qu'on va finir par aller à la master hein, quand même. Parce que bon, faut pas déconner. Hop. Et je suis mort. Voilà, rip Chapicon. Du coup, on va envoyer Aria. Et on va y aller. Allez, soyons fous. La master ball. Les couilles du maître. Pour capturer Dieu. Je pense que là. Là, on est bon, là. Là, il y avait justification. Arceus, numéro 493, Pokémon Alpha. Saphir Alpha. Type normal, ou presque. Hauteur 3m20, poids 320 fucking kilos. On dit que son œuf a éclos dans le néant et qu'il est à l'origine de la création du monde. Et donc, Arceus, étant donné que tu es Dieu, quel meilleur prénom pour toi que... Kevin. Kevin, ça c'est un prénom de Dieu. Ou pas. Bon, bah voilà, on a capturé Arceus. Mais alors du coup, Miros, le jeu il est fini et l'épisode il fait que 13 minutes? Non. Pas vraiment. Il y a un autre truc par rapport à ce très cher, ou presque, Arceus. C'est que si vous allez... Il me semble que c'est à la mine de Charbourg. Oui, parce que je me suis quand même renseigné hein, pendant que j'ai fait une petite pause tout à l'heure. D'abord, on va aller au centre Pokémon, si vous le voulez bien. Hein, voilà, parce que... Hop, vas-y, soigne mes Pokéfions, merci. Et à la mine de Charbourg, normalement, il y a un montagnard qui n'est pas là d'habitude. Alors, lequel c'est, j'en sais rien. Pas comme si je les connaissais tous, les montagnards. Salut, je suis étudiant. Pour faire simple, je dirais que j'étudie l'origine des peuples. Cela explique ma présence ici. À Sinnoh, il y a un mythe qui raconte la naissance du monde. Il pourrait m'être utile pour comprendre l'émergence des peuples. Je suis tombé sur un objet fort intéressant à mon arrivée. Tiens, je te le donne. Obtenu, plaque flamme. Il y a quelque chose d'écrit au dos de la plaque obtenue. Les pouvoirs des plaques sont partagés entre les Pokémon. D'après ce qu'on m'a dit, cette plaque fut créée en même temps que Sinnoh. Elle porte l'inscription suivante. Le porteur légitime d'une plaque peut en maîtriser le pouvoir. Je pense que le porteur légitime n'est autre que l'architecte de ce monde. A ce propos, je ne m'intéresse qu'aux textes tombés dans l'oubli. Une fois que je les ai lus, les artefacts comme cette plaque n'ont plus d'intérêt pour moi. J'espère qu'on se reverra un jour. Voilà, donc il nous a donné une plaque. Et on va tout de suite s'envoler. Encore une fois, vers
jolie berge. Pardon pour ça. Et on va prendre Kevin dans notre équipe. Parce que bon, faut pas déconner, c'est Dieu, hein. On va se balader avec Dieu dans notre équipe. Hop, vas-y Kevin, viens ici. On va déposer... Non, pas Chapicon, parce que Chapicon risque d'avoir besoin de lui. On va déposer... Allez, Givrali, couteau suisse. Hop. Voilà. Et donc, on va aller voir vite fait Kevin. Kevin qui est de nature joviale. Il semble que c'est pas mal, ça, jovial. Donc voilà les stats de Kevin. 221, 221, 198, 221, 243. Donc sa nature joviale lui augmente sa vitesse et lui baisse son attaque spéciale. Je sais pas si c'est bien ou pas. Il me semble pas du coup. Régénération, pression, soin, ultra laser. Donc autant vous dire qu'il a de la merde. Il a même pas jugement. C'est étonnant ça. Et donc sa capacité spéciale, oui j'ai oublié de le dire, c'est multi-type qui modifie son type en fonction de la plaque qu'il tient. Ce qu'on verra dans quelques minutes. Tout d'abord on va aller ici. Mais c'est Lucius ça. Ah bonjour, tu es là pour lire toi aussi? Les livres sont fascinants. Couchés sur le papier, les pensées de nos ancêtres s'étendent par-delà le temps et l'espace. J'étais en train de lire un essai sur la science-fiction. J'y trouvais une citation remarquable attribuée à un romancier. L'amour perd parfois, la gentillesse gagne toujours. Je trouve ça philosophique et plein de compassion. J'imagine qu'on se reverra à la Ligue Pokémon. D'ici là, bonne continuation. Merci à toi, Lucio. Ça m'a étonné de te voir ici. Bien le bonjour, ravi de te revoir. Quand nous nous sommes quittés, je suis parti pour Union Police, puis Celestia et enfin Vestigion. T'as fait tout ça en 2 minutes, bravo. Bref, toutes les villes situées à proximité du Mont Couronné. Tu dois te demander pourquoi une telle fascination pour le Mont Couronné. Eh bien, on dit du Mont Couronné que c'est l'origine de Sinnoh. J'ai appris bien des choses au cours de mon périple. Ça t'intéresse? Oui. D'après moi, notre monde est né quand l'esprit s'est éveillé chez l'humanité. C'est alors que les gens ont pris conscience du monde alentour. C'est au cœur de cet esprit naissant que se sont liés le temps et l'espace. Je ne vois pas. De même que les Pokémon et les humains qui ont partagé cet esprit et cette conscience. C'est alors qu'ils auraient dû s'accepter et se comprendre mutuellement. Parce qu'ils partageaient un seul et même esprit, les gens et les Pokémon se sont mélangés. Des humains ont pris la place de Pokémon et vice-versa. Une telle interprétation ouvre des perspectives sur la façon dont le monde est apparu. On raconte que c'est un Pokémon qui a créé notre monde. Se pourrait-il que ce Pokémon soit l'incarnation de l'esprit originel? D'abord, l'esprit est apparu, et dans son sillage, le temps et l'espace. Tout porte à croire qu'il s'agit de Dialga, le Pokémon du temps, et Palkia, le Pokémon de l'espace, qui eux-mêmes nous renvoient à Arceus, le Pokémon qui les a créés. N'est-ce pas fascinant? Désires-tu en savoir plus? Oui. Ah, et il y a aussi les plaques, n'est-ce pas? L'une d'elles raconte que 3 êtres naquirent pour lier le temps et l'espace. Ces 3 êtres ne sont autres que les 3 Pokémon lacustres. Je parle de Créelf, Créfolé et Créfadé. Les mythes décrivent la manière dont ils ont façonné le monde, lui insufflant l'esprit. Mais tout commence avec Arceus, on le surnomme l'être originel. Au fait, j'ai recopié les inscriptions figurant sur ces plaques. Tout est résumé dans un livre que j'ai donné à la bibliothèque. Il est là, sur cette étagère. Ça me ferait plaisir que tu le lises. Je dois dire que je me félicite d'être venu à Sinnoh. Sur ce, je m'en vais poursuivre ma quête de nouveaux mythes dans des contrées lointaines. Non, pas toi! Téléphone! Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas entendu. Oh, bordel de merde! Mon Némésis est de retour. On va patienter, hein? Voilà. Je vais cacher le micro derrière mes mains. Bonjour. Comment allez-vous? J'ai aucune idée de comment ça va rendre dans le montage, ce que je suis en train de faire. Mais je parle au micro, en mettant ma main devant ma bouche et devant le micro. Ce qui donne probablement un effet très intime. C'est bon, tu t'es tu? Voilà. Qui sait, nos chemins se croiseront peut-être à nouveau. Ah, c'est tout. Bon, d'accord. Alors, lisons le bouquin. La naissance de Sinnoh d'après les plaques. C'est un recueil de gravures figurant sur d'anciennes plaques découvertes à Sinnoh. L'être originel respirait seul avant que l'univers ne soit. Quand l'univers fut créé, ses fragments formèrent cette plaque. Cette plaque contient le pouvoir de géants vaincus. 2 êtres du temps et de l'espace libérés par l'être originel. 3 êtres furent créés pour lier le temps et l'espace. 2 créent la matière et 3 créent l'esprit, façonnant le monde.
Les pouvoirs des plaques sont partagés entre les Pokémon. Le porteur légitime d'une plaque peut en maîtriser le pouvoir. Aurore remet le livre à sa place. C'est tout ? Il y avait que ça ? D'accord, bon ! Du coup, nous avons... la plupart des plaques en notre possession, cependant... Enfin, non, il nous en manque pas mal. Cependant, je ne sais plus du tout comment on range son sac, en fait. J'appuie sur tous les boutons, ça ne veut pas fonctionner. Je sais pas. Non, ça ne fait rien non plus. On s'en fout. Du coup, voyons voir un petit peu les plaques qu'on a. Non, ça c'est une pierre, imbécile. On va la donner à... Non, pas à toi. Non. On va la donner, voilà, à Kevin, qui tient maintenant la plaque esprit. Qu'est-ce que ça fait si on donne la plaque esprit à Kevin? Bah Kevin, il devient tout rose bonbon. Non, c'est pas ce que je voulais faire, voilà. Et vous avez vu qu'il est maintenant de type psy. Alors ça ne change pas du tout ses statistiques, ça change juste son type et son apparence, hein, du coup, forcément. Et c'est cool. Alors on va voir si on a d'autres... Pardon, d'autres plaques à lui donner. On a la plaque fer ici. Hop, voilà. Allons voir maintenant Kevin de type acier. Il est stylé le acier. Et il n'apprend rien. Autre chose, normalement, je sais pas pourquoi il l'a pas là, mais Arceus a une attaque pardon, qui s'appelle Jugement. Et c'est son attaque ultime, un peu comme Hurletant et Spatio-Rift pour Dialga et Palkia. Et cette attaque change de type en fonction de la plaque qu'Arceus tient. Voilà. Donc, nous avons ici Arceus Glace. Qui est vachement stylé. Autre petit trivia nul. Arceus a été mentionné dans un épisode de Dr. House. Ou House, pour ceux qui regardent en anglais. Et c'est cool. Voilà. Ouh, il est stylé aussi en ténèbres. Il y a juste ses yeux qui sont pas top, mais sinon le reste est sympa. Non, ça c'est... Non mais... Oui, allez, on va lui donner pour le fun, hein, mais... Mais ça ne sert à rien. Miros, tu es con. Une plaque rock. Voyons voir un peu Kevin t'y proche. Voilà, Kevin t'y proche. Et enfin, la plaque fanto. On en a pas mal, hein, quand même, des plaques, c'est cool. Je pensais qu'on en aurait moins que ça. Oh, il est bien en spectre. Je kiffe. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah là là. Kevin, tu me fais faire n'importe quoi. Plaque flamme, du coup, c'est la seule qu'on n'a pas vue encore, dans celle qu'on a. Hop. Voilà, donc Arceus type feu, lui je l'aime beaucoup. Très très stylé. Voilà, donc c'était 50 Shades of Arceus. C'était pas drôle, je sais, mais c'est pas grave. Et donc combien on en a des plaques? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On doit en avoir la moitié, je pense. À peu près. Je sais pas. Il nous manque du coup la plaque eau, la plaque foudre, qui doit être celle où il est le plus pété, je crois. La plaque insecte, plante. Je crois que c'est tout. Vol. Il n'y a pas de plaque normale, hein, parce que voilà, faut pas déconner, il est déjà normal de base. Oui, je pense que c'est à peu près tout ce qui me manque. Donc ça en fait 4. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Étant donné qu'on est qu'à 25 minutes. Vous savez quoi? On va aller à Union Police. On va essayer de faire un concours. On va voir ce qu'on a qui est éligible en concours déjà dans notre inventaire. Enfin, dans notre PC. Déjà, on va voir si dans notre team, il y a des Pokémon qui sont faits pour le concours ou pas. Alors, toi, tu es beauté sans froid. Toi, tu seras pas mal en sang froid.
Ok, donc on a Raichu qui est éligible en sang-froid. Ça peut être sympa. A noter que je crois que je n'ai fait presque aucun concours dans ces versions. Alors, faut pas vous attendre à du high level. Hein. Oh, toi, tu serais pas mal en robustesse. Ou pas. Non. Oh. Oh. Empêche le voltage de baisser. Deux Pokémon font monter le voltage à la suite. Ah, ça peut être pas mal. Fait gagner le double de points au tour suivant. Le double de zéro. Ça fait zéro, hein, tu sais. Toi, en intelligence. Ok, rien d'intéressant non plus. Toi, en robustesse. Plus le Pokémon passe tard, plus le score est élevé. Plus 2 si le Pokémon passe en dernier. D'accord, donc toi, t'es vraiment le mec qui passe en dernier, quoi. Oh. Oh. D'accord. Regirock, il serait pas mal en robustesse. Ah, Deoxys en Intel, il serait pas mal non plus. Moi je dis on va partir sur Deoxys, allez. On va redéposer Kevin. Hop, et on va voir si on n'a pas une CS qui fait de l'Intel. Ou une CT hein, d'ailleurs. C'est précisé ou pas? Ah non, c'est pas du tout précisé, merde. Ça c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Du coup, il est quoi? Un tel et une attaque sans froid, je crois. Ah, c'est opposé, hein, du coup, ça ne marche pas. Parce qu'il me semble qu'il y a une mécanique qui fait que si vous avez une attaque de la catégorie qui est à côté de celle dans laquelle vous concourez, c'est-à-dire, comme moi, je suis en intelligence, une attaque type robustesse ou grâce ne vous pénalisera pas. Alors que sang froid et beauté... Bah ça va faire de la merde, voilà. Bon c'est dommage, on fera sans notre troisième attaque. Hein. On va y aller avec Deoxys, on va le laisser en forme normale parce que ça c'est cool. Hein, voilà. Donc les concours c'est pas ici, c'est de l'autre côté, voilà c'est là. On va essayer les concours. Bonjour monsieur, vous êtes chiant. Ah merci, c'est fort gentil. Un peau fine. Les séances d'entraînement, ouais, ok. Bon, je vais sûrement échouer comme une grosse merde. Hein. Bienvenue à la salle de concours, vous êtes à la réception. Non, on va pas faire du Link, parce qu'on peut pas. On joue pas à un jeu Zelda, donc on peut pas faire de Link. LOL. Bonjour. Style, danse et comédie, mon dieu. Je sens qu'on va bien se marrer. Les super concours. Que souhaitez-vous savoir? Info concours. Les concours. Un super concours Pokémon implique 4 dresseurs. Chacun inscrit un Pokémon qui affrontera les autres. Le jugement se fait selon 3 épreuves. Style, danse et comédie. Le Pokémon avec le meilleur score dans les 3 épreuves gagne. Si c'est votre premier concours, nous vous recommandons de vous entraîner avant de vous inscrire. Tout au bout à droite pour les entraînements, d'accord. Épreuve de style. Pendant l'épreuve de style, les Pokémon sont notés sur leur apparence. La note est basée sur le vote du public. Pour plus de détails, veuillez vous renseigner au guichet de droite. Épreuve de danse. Pendant l'épreuve de danse, les Pokémon montrent leur jeu de jambes. Essayez de danser en rythme avec tout le monde. Pour plus de détails, veuillez vous informer au guichet de droite. Épreuve de comédie. Pendant l'épreuve de comédie, les Pokémon sont jugés pour les capacités exécutées devant les juges. Essayez de faire taire à votre... De faire faire à votre Pokémon des performances qui se distinguent de celles du reste de la bande. Allez, je pense qu'on est dans la merde, mais on va participer quand même. Allez, on va s'inscrire en normal, faut pas déconner non plus. Intelligence. Et on va inscrire Deoxys. Voilà, nous sommes le numéro 4. Je vous suis, madame. Oh, comme je suis belle. Aurore a mis sa belle robe. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Bonne chance. Merci.
On a deux jumeaux sur la gauche et un vieux juste à ma gauche. Le concours le concours d'intelligence catégorie normale va commencer. Je suis Denis et je serai à la fois animateur et juge. Les résultats seront annoncés à la fin. Patience. Laissez-moi vous présenter nos participants. Concurrent numéro 1, voici Jules. Ensuite, le concurrent numéro 2, Jacou. Concurrent numéro 3, Gaston. Le plus beau, c'est Gaston. Le plus fort, c'est Gaston. Et enfin, le concurrent numéro 4, Aurore. Nous allons laisser les Pokémon s'habiller pour les évaluations. Chers concurrents, habillez vos Pokémon pour l'épreuve de style. Les concurrents doivent se retirer en coulisses. Vous avez 60 secondes, ou putain, pour habiller vos Pokémon. Suivez le thème pour gagner plus de points. Notre thème sera le naturel. Vous disposez de 60 secondes. Montrez votre sens de la mode. Ok, le naturel. Ok, on doit habiller notre Pokémon. On va lui mettre une plume dans l'oreille. Voilà. Une moustache, ce sera pas nécessaire. Un petit nuage à la Dragon Ball. Putain, j'ai rien. Je n'ai absolument rien. N'est-ce pas magnifique? On va le foutre dans l'espace. On peut pas déplacer le Pokémon, non. Putain, j'ai vraiment rien. Hein. C'est chaud. Un petit pompon dans la main. Voilà, c'est rigolo les pompons. C'est des cotons, hein, mais c'est pas grave. Une deuxième plume. Parce que c'est joli les plumes, c'est naturel les plumes. Hop. Et une plume dans le nuage, voilà. Oh, il est sublime. Mouah. Me gusta Deoxys. Très bien, merci pour votre patience. Commençons l'épreuve de style. Concurrent numéro 1, Jules. Jules participe au concours avec Linotte. Oh. Kawaii desune. Concurrent numéro 2, Jacou. Jacou participe au concours avec Ouhou. Kawaii desune. Concurrent numéro 3, Gaston. Gaston participe au concours avec Choupi. C'est n'importe quoi. Concurrent numéro 4, Aurore participe au concours avec Deoxys. Admirez ses belles jambes. Ouh, j'ai gagné. Je crois que je suis celui qui a fait le plus de cœur. Alors, l'épreuve de danse, mon dieu. L'épreuve de danse va bientôt commencer. Nos concurrents pourront-ils suivre la chorégraphie sans faire d'erreur? Ok, dansons, envoyez la musique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Copier le Pokémon situé devant. Quoi? Ouais, génial. Je suis bon. Yes. Putain, c'est super. C'est super compliqué en fait. Vert. 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 Rouge. Rouge, rouge, vert. Rouge. Rouge, vert. Je l'ai raté, tant pis. Je crois que je fais de la merde. Jaune, jaune, jaune. Ok. Jaune, jaune, jaune. Il y a un con qui a fait rouge. Jaune, jaune, rouge. Jaune, jaune, rouge. Je sais pas si je m'en sors bien. Exécuter 3 pas comme premier danseur. Ok. Devant. Voilà. Ils sont un peu cons. Hein. Hop, hop, hop. Ok. Est-ce que je sais pas si j'ai bien dansé ou pas. Pour le moment, Aurore est en tête. J'ai l'impression d'avoir fait de la merde, mais ça fonctionne. C'est génial. Montrez-nous des capacités d'une intelligence exemplaire. 4 capacités chacun, un peu d'enthousiasme. Si Pokémon passe en premier, hop, psycho. Choisissez le juge qui notera votre performance. Denis. Deoxys exécute Psycho pour Denis. Passer en premier, plus 2. La capacité intelligence a fait monter le voltage de Denis. Ou exécute Devoref pour Karine.
comme c'est beau. Le voltage a augmenté de manière consécutive, plus trop. Putain. Lui derrière, il peut faire mal. Lui. Ok, donc. Psycho-quack. Ça, c'est stylé. Bien, bravo. Les capacités de Houhou et Choupi ont beaucoup impressionné Karine. Plus 2. Oh là là. Oh là là. D'accord. Ah non, c'est bon. Ok. Deoxys, il a géré. Le score le plus bas passeront en dernier. Parfait. Si le voltage monte 2 fois de suite, plus 3. Je pense qu'on va faire... Allez, on y croit. Et on va passer devant... On va repasser devant Denis, allez. Denis, on l'aime bien. Choupi exécute griffe pour Karine. Ou exécute choc mental pour Karine, toujours. D'accord. Fais monter le voltage, cousin. Donc moi, je vais être le seul à passer devant Denis. Bon, je vais pas gagner beaucoup de points. Poursuite pour Denis. Yes. Très bien. Capacités ont beaucoup impressionné Karine. Plus 2. Plus 3 pour Jules. Et plus 3 pour moi. Bien, je reste en tête. Concurrents au score le plus bas passeront en premier. D'accord, donc je suis toujours dernier. Je vais faire une attaque basique. Et je vais passer devant Denis. Allez, pour l'instant, Denis il me porte chance. On va continuer à passer pour devant Denis. J'ai l'impression qu'on s'en sort plutôt bien quand même sur ce concours. C'est le concours du pif, mais ça passe. Vas-y, Karine. Ok. Et le psycho-quack. Ah merde, il passe devant Denis. Ok. Moi, je passe devant Denis, donc Denis va être déçu. Oula. Et je fais monter son voltage. Hop. Capacité de Linotte ont beaucoup impressionné Denis. Plus 2. Donc plus 3 pour Houhou. Et plus 3 pour Choupi. Deoxys, ça a attiré l'attention. Point. Les concurrents au score le plus bas continueront encore une fois de passer en dernier. Du coup, je vais faire poursuite et je vais encore une fois passer devant Denis. Parce que Denis... Is love, Denis is life. Alors, toi, tu fais ça pour Germain. Ça part bien pour moi. Fais monter le voltage de Germain. Je passe deuxième. Ah, je croyais que je passais dernier. J'ai même pas fait gaffe. Hop, on fait monter le voltage de Denis. On espère que personne... Il ne repassera devant Denis pour lui faire monter son voltage. On y croit. Et enfin, Houhou. Ouais. Du coup, on va pas gagner beaucoup de points grâce à Denis. Dévorève en plus, c'est intelligence. Du coup, ça fait monter son voltage. Plus 8. Ouh, il va faire mal, lui. Oh là là. Allez, nous on gagne plus 2. Je pense que je suis encore en tête. Ça y est, le jugement est désormais terminé. Je suis troisième. Ah bon. Ça y est les amis, les délibérations touchent à leur fin. Quel Pokémon va être couronné vainqueur? Je vais annoncer les résultats. Il est temps désormais d'annoncer le résultat des différentes épreuves. Tout d'abord, les résultats de l'épreuve de style.
Yes. Ensuite, les résultats de l'épreuve de danse. Ok, donc on pourrait faire Danse avec les Stars sans trop de soucis, c'est cool. Et enfin, les résultats de l'épreuve de comédie. Yeah, j'ai gagné. Bravo Deoxys, qui a presque rempli la barre. Franchement, bravo. Toutes mes félicitations, merci, merci. Je ne m'y attendais pas. Je suis doué. Deoxys est donc très intelligent, hein, voilà. Félicitations, découvrons notre gagnant, Deoxys de Aurore. Notre vainqueur gagne le ruban intelligence. Nous attendons avec impatience le prochain concours. Félicitations, voici votre récompense. Obtenu Nevers. On range l'accessoire Nevers dans le coffret mode. Merci de votre participation, nous espérons vous revoir bientôt. Merci, c'est fort gentil. Y a pas un cadre pour nous? Non, je sais pas. Non. Pas d'amour pour Deoxys? Voilà, concours intelligence de catégorie normale. Deoxys de Aurore. Qu'il est beau. Il est beau, Deoxys, il est beau. On peut se faire interviewer par l'autre grenier en bas, mais on s'en fout. Et du coup, monsieur, que faites-vous caché dans le coin? D'accord, il s'entraîne, ok. Du coup, ben, cette aventure est terminée. Et on se retrouvera la prochaine fois pour Pokémon version blanche. Voilà. Je vous dis donc à bientôt, bye bye, et prenez soin de vous, c'était Miros. A plus tout le monde.